Yo tout le monde, c'est FunnyBlink, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du nouveau jeu mobile One Piece Ambition qui se nommait auparavant One Piece Project. Ça faisait des années qu'on n'avait plus de news, c'était Bandai Shanghai qui était derrière cela et maintenant c'est Bandai Namco qui a repris les rênes. Et autant vous dire qu'avec cette vidéo que je vais vous montrer, j'ai pris ma baffe. Non mais clairement, c'est une dinguerie. Je n'ai jamais vu un jeu mobile aussi qualitatif que cela. Et je pèse mes mots, et vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo. Avant de commencer cela, je tiens à remercier le frérot Talreno qui a fait une excellente vidéo sur sa chaîne YouTube pour savoir comment s'inscrire afin de prétendre pouvoir jouer à la bêta. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Allez, on est parti. Préparez-vous. On prend une baffe. Je vous le dis. Donc là, ça c'est le jeu. Pour ceux qui se posent des questions... C'est le jeu. On n'est pas sur l'animé. C'est le jeu mobile. Ils font mieux que des jeux consoles. C'est donc là, voilà, le combat de Arlong contre Luffy. Alors, il n'y a pas les voix, etc. Car le jeu est toujours en cours de développement. Donc, il n'y a pas encore toutes les voix. Mais, attendez les gars. C'est un jeu de fou, là. C'est un jeu de fou. Vous vous rendez compte ou quoi, là? On passe un cap, là. Arlong, là, franchement, trop stylé. Trop stylé. Donc là, ensuite, on a les phases de gameplay. Donc, vous voyez, on est un petit peu en mode versus fighting, tu vois, avec les personnages, comme si que les personnages étaient en 2D. Donc, un petit peu à la Fighters, on va dire. Avec, je pense, des combos bien moins complexes que Dragon Ball Fighters. Mais, voilà. Hormis le déplacement du personnage quand il court, que je trouve un peu lent, le reste du gameplay, c'est nerveux, hein. Donc là, les gars, regardez ça. C'est un truc de fou. Donc là, ensuite, il y a des parties d'esquive. Hop, voilà. C'est... Franchement, non mais... Les QTE? Non mais... En plein combat, c'est in-game, tu vois ce que je veux dire? Tu te tapes, t'as le QTE qui apparaît, hop, tu dois faire des esquives. Regardez-moi ces graphismes de fou. On est sur mobile. On est sur mobile, les gars. Donc, je rappelle, au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, iOS et Android. Ok? Non, mais, hé. Oh là 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 là, les gars, je suis choqué. Franchement, je suis choqué qu'aujourd'hui, les jeux mobiles arrivent à passer un cap. C'est... Oh! Franchement, les gars... Oh là 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 là. Oh là 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 là, les gars, c'est ouf. C'est ouf. Vraiment. Oh. Pa. C'est pas l'animé, hein. Ce n'est pas l'animé, hein. Oh là là. Ça me replonge. Ça me replonge dans One Piece, hein. Le combat avec Arlong, c'était quelque chose quand même, hein. Oh là là. Eh, vous voyez comment c'est bien vénère au niveau du gameplay. Franchement, ça a l'air vraiment très stylé. Pour ceux qui se le demandent, il va y avoir du PVP. Oui, il va y avoir du online. Du PVP. Franchement, là, les gars, je crois qu'on tient le meilleur jeu mobile. Dites-le-moi dans l'espace commentaire. Je crois qu'on tient le meilleur jeu mobile. Vraiment. Que ce soit en termes de graphisme, franchement, l'explosivité dans les combats. C'est voilà, comme je vous le dis, il n'y a que le déplacement du bonhomme quand il court ou qu'il marche. Je trouve ça un peu lent. Le jeu est toujours en cours de développement, d'accord? Donc ça peut être modifié. Oh là 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 là. Regardez, là c'est la bataille, tu dois tapoter ta sur ton écran pour repousser Arlong. Non, franchement. Oh là là. Non, franchement, c'est... Oh, oh là là. Eh, incroyable, la posture et tout. Oh là, et c'est reparti. Après ça, on retourne au combat. Moi, ça y est, c'est bon. Là, tu vois, je suis désolé, les gars. On me dit pas c'est sur mobile. Hein, si tu vois pas les touches à la droite, là, les touches mobiles, etc. Moi, tu me dis c'est sur console, je serais pas choqué. Hein. Et encore, la vidéo est pixelisée, les gars, parce qu'on est sur le site, etc. Tu vois, je suis pas en HD. Les gars, je suis choqué. Je suis choqué. Oh là 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 là. Oh,
Oh là 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 là. Non, franchement. Voilà, en plus, tu peux contrer. Arlong a chopé Luffy, il y a des contres. Non, franchement, c'est ouf. C'est ouf. Oh. Et là, c'est reparti. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu tapotes. Il est en train de le croquer. Luffy qui rattrape son nez de ouf. Et là, il lui pète le nez, comme dans l'animé. Non, franchement. Oh là 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 là. Eh, franchement, les gars, c'est... S'il vous plaît, max de pouces bleus. Max de pouces bleus, les gars. Même si on n'est pas sur le Dragon Ball, max de pouces bleus en mode Genki Dama. Parce que là, franchement, force est de constater que j'ai jamais vu mieux. Il y a eu également le jeu mobile Bleach, d'accord, qui s'avère très intéressant. Malheureusement, apparemment, le projet fait que le jeu ne sortira peut-être pas. C'est... Après, ça reste pour moi ça le meilleur jeu mobile qu'on a jamais vu. Et en plus, sur une licence telle que One Piece, qui est l'une des plus grandes licences, tout manga confondu actuellement. C'est... Oh, oh là là. Pff, l'impact du coup. Allez, hop, encore des QTE. Allez, bam. Oh, oh là 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 là. Là, on voit bien que là, il a morflé. Il lui a pété la tronche. Et là, il le déglingue. Oh là là. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Faut partager. Parce que faut que les gens, maintenant... Oh là là, regardez ça. Faut que les gens se rendent compte que ça y est, l'ère des jeux mobiles a passé un cap. Là, ça a passé un cap. Rendez-vous compte. Ça a passé un cap. Non, mais là, il est... C'est le jeu. Je rappelle, c'est pas l'animé, c'est le jeu. Non, mais là... J'ai plus les mots. Franchement, je n'ai plus les mots, les gars. Oh là 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 là. Nami, regardez les graphismes. On en parle? On en parle? Franchement, tu mets l'animé à côté, etc. Tu dis... tu doutes, hein. Tu vois ce que je veux dire? Regardez ça. Oh. Oh là là. Nami. Oh là 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 là. Purée, les gars, j'ai envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer. Franchement, les gars, j'ai envie d'y jouer. Oh là 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 là. Pff, magnifique. Avec le chapeau de paille. Oh là 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 là. C'est magnifique ce qu'on voit là. Franchement, les gars, quand je vous dis c'est la dinguerie, j'ai pris ma claque, c'est pas des conneries. C'est pas des paroles en l'air. Regardez ça. Oh la vache. Oh. C'est magnifique. Magnifique. Mettez l'animé à côté, s'il vous plaît. Faut pas être de mauvaise foi. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait un travail extraordinaire, les amis. Franchement, oh là 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 là. Là, ok. Là, Bandai Namco, ok. Je salue le travail. Je salue le travail. Franchement, Déjà, vous savez que je jouais beaucoup auparavant à One Piece Fighting Pass. Je trouvais que c'était un excellent jeu mobile. Mais là, je crois que là, on a passé un cap. Là, on a passé un cap. Non, mais... Hey. C'est de l'animé, ça, pour moi. La flotte... j'ai l'impression de voir l'animé, les gars. Je suis désolé. Là, Alors, je me répète, hein. Les gens, ils vont dire... Ah, Soso, t'arrêtes pas, machin, d'animé, machin. Les gars, j'ai pris ma baffe. Donc, maintenant, pour ceux et celles qui veulent se demander est-ce qu'il sera... disponible en France, on sait pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que auparavant c'était Bandai Shanghai qui s'occupait du jeu, et maintenant c'est Bandai Namco. Bandai Namco, c'est dans le monde entier. Donc peut-être, je dis bien peut-être, on peut prétendre à une version globale. Qui dit version globale dit sortie en France. Mais maintenant, mettez-vous à la place des éditeurs. En France, on est toujours aigri, on est toujours en train de critiquer les choses. Et c'est pour cela qu'on a
pas tous les jeux. Certes, il y a des problèmes d'ayant droit, mais là maintenant, quand c'est Bandai Namco, il n'y a pas de problème d'ayant droit. Si vraiment Bandai Namco veulent sortir le jeu dans le monde, ils peuvent le faire. Ils l'ont bien fait avec plein d'autres jeux One Piece, des jeux Dragon Ball, etc. Donc ils ont la licence monde, tu vois. Sauf que nous, en France, on est toujours aigris. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont dire « Ouais, non, mais si, ça, ça... » Non, les gars, faut encourager ce genre de jeu. Vous imaginez, c'est un cap pour l'ère des jeux mobiles. Franchement, là, je suis hype de ouf. Franchement, je suis hype de ouf en espérant que, pour moi, en tant que fan, j'ose espérer que ça sorte en France. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous également le souhaitent. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est la folie. Pour tous les fans manga, les fans One Piece, les fans d'anime, on risque d'avoir le meilleur jeu mobile qui va faire son apparition. Bref, n'hésitez pas, comme j'ai pu vous le dire, à partager. Commentez également dans l'espace commentaire, max 2 pouces bleus. Et n'hésitez pas à t'abonner également à la chaîne si c'est toujours pas fait. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.